Commencez maintenant. Alléluia. Il est le maréchal de la brigade anti-sorcier. Alléluia. J'ai l'honneur ce matin de te présenter le prophète Joël Grasso. Shalom. Est-ce que tu peux appeler Jésus? N'est-ce pas pour les élections et le développement de la ville de Divo? Amen. Sachant que ce maire est un développeur parce qu'il a apporté beaucoup de choses à la commune. Quand nous avons appris, n'est-ce pas, qu'il était malade, il fallait qu'en tant qu'église, en tant que responsable de ce ministère, qui lutte contre les œuvres du mal, qui lutte contre les anti-développeurs, d'organiser cette rencontre de prière. Et en même temps, j'ai eu un collègue,
Il y a aussi homme de Dieu et puis Atis. Moi je suis Atis. Et puis en même temps prophète, lui aussi est prophète. C'est Kéhé Salé, c'est ça. Kéhé Salé, qui a décidé de participer à cette veillée. Il m'a appelé depuis Abidjan et tout ça, donc je lui ai demandé de venir me soutenir dans la prière. Nous allons acclamer le Seigneur pour sa présence. C'est quelqu'un de Digo, il a peur aussi Digo. Il y a aussi son frère qui... voilà, son frère, qui est aussi né à Digo, n'est-ce pas? Voilà, donc nous acclamons le Seigneur. J'ai appris aussi que le directeur, c'est ça, du cabinet, le chef du cabinet, donc moi, le maire est présent, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Amen. Tout à l'heure, on aura l'occasion d'écouter notre bien-aimé, qui est en même temps homme de Dieu, et prophète, et chante. Il est d'abord chante, il est d'abord artiste, il est mis homme de Dieu. On aura l'occasion de l'écouter et tout ça. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Elie la gona, mon magueur et kemo, kemo, akipi yao. Kemo souyona, mon magueur et kemo, kemo, akipi yao. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus, notre Dieu? Adieu la gona, mon magueur et kemo. Quelqu'un t'a béni.
Jésus est bon. Alléluia. Dis à quelqu'un, Jésus est bon. Dis à quelqu'un, Jésus est merveilleux.
Alors, vous savez, Laurent, c'est à partir de 4h du matin, très bientôt, Laurent, nous allons commencer une cérémonie de prière. Voilà, une action très forte. Nous avons déjà la présence de propriétaires terriens. J'aurai l'occasion de vous expliquer pourquoi c'était important qu'ils soient représentés, qu'ils soient présents plutôt. Alléluia. Chanter quelques chants et après quoi je prends le micro, nous allons penser à quelque chose de très important. Veuillez vous asseoir. Et le ministère, c'est le ministère de la compassion des âmes. La Confédération internationale de lutte contre la délinquance et les crimes spirituels. J'explique parce que ce sont les noms scientifiques. Les crimes, parce qu'il y a crimes spirituels, et la délinquance parce que celui qu'on appelle aujourd'hui sorcier a la capacité de détruire même un foyer, a la capacité de transformer en ce qu'on appelle mari de nuit, aller, n'est-ce pas, abuser des femmes ou femmes de nuit, des hommes, dans le but de pouvoir cacher des vies. Donc la délinquance. Voilà, donc je suis le guide spirituel de cette confédération. Amen. Nous avons pour but de lutter contre le mal cruel de l'Afrique. Excusez-moi, écoutez très bien mon message. J'étais le mercredi dernier, comme je suis consultant de la télévision ivoirienne, j'étais l'invité de Matin Bonheur, et j'ai bien expliqué mon exposé. J'ai dit, de toute façon, Dieu existe, ce qu'on appelle les œuvres de Dieu, il y a aussi les œuvres du diable. Il y a les œuvres du diable. La vie du malheur à la terre et à la mer, parce que le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Amen. Donc le diable agit. Il a ses œuvres. Et nous, en tant que croyants, j'ai bien précisé, je suis chrétien évangélique. Je crois à la parole de l'évangile. Je crois à la parole de Dieu. Qui m'amène à comprendre qu'il faut attaquer le diable quand il s'agit de l'attaquer. Vous savez, si le diable commence à agir, qu'en tant que croyants que nous sommes, nous ne sommes pas fait la part des choses, parce que ce n'est pas tout qui est le plan du diable, de Dieu. Amen. Tout n'est pas de la volonté de Dieu. Quelqu'un est malade. Ce n'est pas toutes les maladies qui viennent de Dieu.
C'est pas toutes les morts qui viennent de Dieu. J'explique. Il y a ce qu'on appelle la mort prématurée, que Satan peut occasionner dans la vie d'une personne. Or, nous en tant qu'Église, si nous ne comprenons pas qu'il faudrait prier pour chasser Satan et imposer le règne de Dieu, Satan s'installe. Jésus est clair dans sa parole. Dans Luc 10, verset 19, il dit « Je vous ai donné le pouvoir ». Vous savez, quand Dieu donne le pouvoir, c'est d'exercer son autorité. Amen. Satan a été vaincu à la croix. C'est ce qui est vrai, il est vaincu. Mais il continue de se manifester. Satan continue d'agir. Il y a ces agents qu'on appelle les sorciers. Je vous informe aujourd'hui ce matin, celui qui dit que la sorcellerie n'existe pas, certainement peut-être qu'il est un agent de Satan. Il est un agent de Satan parce que c'est pas le prophète Crasso qui a inventé ça. La sorcellerie a existé depuis longtemps. Les sorciers sont des gens animés d'un esprit méchant, bien sûr, et qui ont pu détruire la vie des gens. Or, quand on a la sorcellerie, on a l'esprit de nuisance, on détruit. On détruit. Les blancs, je parle des occidentaux, ont compris la chose, ont pratiqué ce qu'on appelle la chasse aux sorcières. Ce n'est pas inventé par le prophète Crasso. Ça a commencé au Moyen-Âge, du 15, 16, 17e siècle. Ils ont radiqué la sorcellerie sur le continent. On prenait les sorcières, on les brûlait au bûcher. Ils ont connu un siècle glorieux qu'on appelle le siècle de lumière. Laissez-moi vous rafraîchir la mémoire, parce que l'histoire est là, c'est l'histoire même pas d'elle-même. Ils ont radiqué la sorcellerie, ils ont connu aujourd'hui ce qu'on appelle le développement, ils ont connu aujourd'hui l'émergence. Mais regardez l'Afrique et notre continent. Nous sommes très riches. Nous sommes riches en sous-sol. Nous sommes riches, mais malheureusement l'Afrique est en retard. Et l'histoire va nous dire même que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Mais regardez le retard. L'Afrique est caractérisée par le retard. Pourquoi ? À cause de la présence forte des agents de Satan qui est appelé sorcier. Les gens disent maintenant les Africains sont superstitieux. Ils voient les sorciers, le diable partout. Mais le diable est partout. Le diable est partout. Au départ, les Blancs étaient les premiers à combattre la sorcellerie sur le sol. Quand ils ont combattu la sorcellerie, il y a eu un résultat glorieux qu'on appelle le siècle des Lumières. C'est à partir du 18e siècle que vous allez voir les grands savants. Les sorciers, vous voyez, ils ont la capacité de détruire la carte mémoire, la mémoire. Cette mémoire qui ont la capacité de retenir les choses. La connaissance pour apporter quelque chose à l'humanité. Ils ont cette capacité-là de détruire la mémoire des gens. Ça cause aujourd'hui la sorcellerie que nos cadres ne vont pas dans les villages parce qu'ils sont conscients de cette présence. Mais ils ne peuvent rien contre ça. Ça cause la sorcellerie, nos régions n'arrivent pas à se développer. Ça cause la sorcellerie que nos régions n'arrivent pas à se développer. Je disais à quelqu'un qui voulait bien entendre, et quand on parle de sorcellerie, c'est un mot. C'est parce que ça existe qu'on appelle sorcier. Or, ce qui n'a pas de nom n'existe pas. Or, le sujet de la sorcellerie est plus sérieux, très sérieux, par rapport à tous ces fléaux pour lesquels nos gouvernants mettent tous les moyens pour éradiquer, et sérieux par rapport à l'Ebola. Parce que les sorciers ont la capacité d'envoyer les fléaux, les sorciers ont la capacité de détruire les gens. Et moi, j'ai reçu un don de la part de Dieu, et ça fait pratiquement 3 ans que je suis dans cette région de Divo. J'essaie comment de voir Dieu m'a puissamment utilisé pour faire reculer le royaume des ténèbres. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que l'Église est lumière. Nous sommes la lumière du monde. Et là où il y a l'Église, les forces des ténèbres doivent reculer. Parce que là où il y a la lumière, les ténèbres n'ont plus de place. Amen. Oui, c'est le mal. C'est que la sorcellerie en deuil des familles, les sorciers tuent. Sur ce chef de cette confédération, qui lutte bien sûr contre les crimes spirituels. Il y a des crimes qu'on ne peut pas expliquer qui sont spirituels. Je vous explique, la sorcellerie que vous voyez ne peut pas être objet de science. Parce qu'elle est démontrée, on ne peut pas démontrer la sorcellerie. Mais c'est une réalité. La science continue de faire des découvertes. La science n'a jamais créé quelque chose. Mais je pense que les scientifiques, un jour, seront nés à nez face à ce fléau. Ils finiront par nous montrer que ça existe. Mais c'est une réalité. C'est pas parce que la science ne reconnaît pas la sorcellerie qu'elle n'existe pas. Elle existe parce qu'elle a un nom. Et ça existe dans tous nos langues, dans toutes nos ethnies, dans le monde entier.
La sorcellerie existe. Donc un sorcier, c'est celui-là qui est animé d'un esprit méchant et qui détruit. C'est notre ministère et c'est notre particularité, c'est de dépeupler le royaume de Satan, de libérer les otages de Satan, parce que les sorciers, chaque jour, je vous dis, chaque 3 mois, un sorcier, chaque mois doit tuer une personne, donc chaque 3 mois, un sorcier tue 3 personnes. Donc comprenez qu'il y a beaucoup à faire et c'est vraiment dangereux, parce que nos braves alliés sont en train de mourir. Et c'est le plus grand centre d'ailleurs dans le monde qui délivre les sorciers. Nous, nous délivrons les sorciers. Nous sommes aujourd'hui à 7322 sorciers délivrés de nos mains. Nous avons délivré les sorciers. Nous avons éduqué, rééduqué, pour qu'ils puissent respecter l'être humain créé à l'image de Dieu. Frère, l'être humain est trop sacré pour qu'on le tue. L'être humain est trop sacré pour qu'on le mange. Or, quand tu es animé d'un démon là, tu t'opposes à la volonté de Dieu parce que celui qui représente Dieu sur la terre, c'est l'être humain. Or, le diable, ne voulant pas que Dieu continue d'agir, va attaquer l'être cher qu'on appelle l'être humain. Nous avons aujourd'hui délivré des mangeurs d'âmes. Nous les appelons mangeurs d'âmes parce que ça existe. Ils mangent les âmes des gens. Ils détruisent la vie des gens sans raison. Et là où il y a la force présente de la sorcellerie, le développement pénètre difficilement. Depuis que nous sommes là, ça fait maintenant 3 ans, bientôt 3 ans, que nous sommes sur le sol de cette région. Mais nous avons commencé le combat ici en Côte d'Ivoire depuis 2006, que nous avons démarré le combat. Pratiquement à Guéillot, à Soubré, nous avons fait pratiquement toutes les villes, la plupart des villes de la Côte d'Ivoire. Et Dieu nous a installés dans cette région. Et la question revient toujours, pourquoi à Divo et pourquoi parmi le peuple d'Ida? J'explique très bien, ici en Côte d'Ivoire, les Didas sont les numéros 1 en matière de sorcellerie. Ce sont les numéros 1 en matière de sorcellerie. Et vous comprenez évidemment, là où il y a un fléau, Dieu va toujours en donner un remède. Donc notre ministère a un remède contre ce fléau, qui est la sorcellerie. Or, la manière de régler de ce peuple Dida qui n'aimait pas la sorcellerie, c'était de tuer les sorciers. Ici, on les tue. Les gens faisaient danser les cercueils. Et quand un cercueil te croit, on te tue. C'était une des manières de régler et éradiquer la sorcellerie. C'est depuis que nous sommes sur ce sol de Divo, nous avons prêché la bonne nouvelle du royaume. On dit même le sorcier que vous voyez, il est aussi possédé, si je ne vais pas trop exagérer, victime aussi de la sorcellerie, parce qu'il a été initié à la sorcellerie. Au lieu de le tuer, vaut mieux le délivrer de la sorcellerie. C'est pour ça que notre centre est beaucoup fréquenté. Les gens nous envoient des sorciers. Des sorciers eux-mêmes s'élèvent depuis Abidjan pour venir se faire délivrer de la sorcellerie. Donc j'informe monsieur le représentant du maire que vous avez un grand centre ici à Divo qui est connu sur le plan mondial, international, mondialement connu. Nous sommes suivis sur l'internet par 168 pays. Demain il y a une délégation qui vient du Togo. Nous avons reçu des gens qui venaient, qui sont venus du Qatar. Nous sommes suivis par l'Arabie Saoudite, nous sommes suivis un peu partout dans le monde. Les gens se déplacent, ils viennent de partout dans le monde pour se faire délivrer de la sorcellerie ici, dans cette région et dans cette ville de Divo. Depuis que nous sommes dans la région, c'est-à-dire dans la sous-préfecture, parce que nous avons encore notre centre dans la sous-préfecture, de tirer précisément dans le village des Aroko, un village réputé en sorcellerie. Aujourd'hui, le Seigneur a délivré ce village et le développement a commencé. Je vous informe que là où la sorcellerie est attaquée, et c'est ce qui est dit toujours à mes amis, collègues, pasteurs. Le seul problème de nos fidèles, c'est la sorcellerie, c'est pas autre chose que ça. Au lieu de parler d'autre chose, parlez de la sorcellerie. Une fois le fidèle est délivré de la sorcellerie, il connaîtra lui aussi ce qu'on appelle la prospérité.